Aujourd'hui, c'est une date importante puisque c'est la tenue du forum Commutech qui réunit un peu moins d'une centaine d'entreprises. Donc c'est un grand forum étudiant qui est une réussite qui a été créée il y a plus d'une dizaine d'années et qui continue à se développer. Les objectifs principaux du forum, il y en a plusieurs. C'est déjà de mettre en contact les étudiants avec les entreprises. Mais c'est aussi un moyen de mettre ces entreprises en contact avec l'UTC. Nous avons depuis quelques années une véritable politique de partenariat avec les milieux économiques, parfaitement organisée et structurée. Par conséquent, c'est aussi lors de cette journée un moyen de mettre en contact la centaine d'entreprises présentes avec l'UTC. Et de ce point de vue, nous sommes en train de préparer des conventions de partenariat globales avec des entreprises. Trois ont déjà été signées avec Technip, Safran et Renault, et d'autres sont en cours de préparation. Pour nous, le Forum Commutech, c'est devenu une institution. Nous y sommes présents chaque année. Nous avons d'ailleurs une communauté d'ingénieurs UTC très importante chez Vallourec sur différents types de métiers. Donc aujourd'hui, nous proposons notamment des contrats pour des jeunes diplômés ou également des stagiaires dans les secteurs de la R&D ou dans les métiers de la production. Je suis à Commutech pour chercher un stage en automne prochain, automne 2014. C'est un stage de 6 mois. Et les entreprises qui m'intéressent sont GDF Suez, Coty. Là, je fais la queue pour Mondelez International, qui est peut-être une entreprise qui peut m'intéresser. Donc, je fais le tour des stands pour en apprendre un peu plus sur chaque entreprise. Et ensuite, peut-être trouver un stage et surtout m'aider à trouver une entreprise qui va me décider pour quelle filière je vais prendre ensuite. Donc, Commutech, je pense que c'est une bonne vitrine pour les entreprises et puis pour les étudiants UTC. On est dans un contexte qui fait que les écoles viennent et du coup on a un point un peu plus important avec l'UTC qui nous épaule. Notre présence sur le forum Commutech s'inscrit dans le cadre d'actions diverses et plurielles que l'on mène auprès de l'UTC. Nous sommes dans une relation partenariale au long cours. On intervient par exemple dans la pédagogie, à la fois dans le cursus génie mécanique ou SI, également dans la filière alternance où nous avons un de nos consultants qui anime un TD en développement applicatif orienté objet. Donc l'intérêt pour nous d'être ici, c'est à la fois un intérêt d'intégration de stagiaires, d'alternants, de découverte de talents. On recrute à peu près 1500 personnes cette année pour l'entité Capgemini Technology Services, qui est la partie SS2I Grand Compte de Capgemini, et 800 stagiaires et à peu près 220 alternants. Donc. Atos est toujours en recherche de nouveaux talents pour intégrer le groupe. On recrute beaucoup chaque année pour assurer notre croissance. Et donc, on souhaite, avant de recruter, avoir les gens en stage pour assurer leur formation et pouvoir les recruter en fin de stage. Et donc, il est important pour nous d'être présents sur les forums des écoles de premier plan. On a déjà effectivement beaucoup d'élèves, d'anciens élèves de l'UTC dans l'entreprise qui sont bien intégrés. On recherche bien entendu une compétence informatique et des savoirs techniques et technologiques, mais on recherche aussi un savoir-être, un savoir s'intégrer dans une équipe. Et on recherche également une connaissance d'autres environnements parce que nos collaborateurs sont amenés à connaître l'informatique, mais à connaître aussi les métiers de nos clients, que ce soit dans l'industrie, dans les télécoms, dans la banque ou dans d'autres secteur de marché. Ce forum est vraiment génial parce qu'il nous permet d'avoir regroupé au même endroit en une journée vraiment les entreprises qui recherchent nos profils, qui connaissent ces profils UTC et qui les recherchent aussi. Donc c'est vraiment très intéressant, très bien reçu et toujours très bien d'avoir ce forum pour les recherches de stage aussi, ça m'a beaucoup servi.